it in simple terms, for me, it means walking together, journeying together. And in Xhosa, we also speak of sihamba kunye, uhambo lwethu kunye. Or in Sesotho, we say re tsamaisana tsela. That means we journey together, we walk with one another, we help each other on this journey, we share during the journey, we don't just walk in silence, but we share. Synodality is very important in the church because as the body of Christ, as a church community, it's very important that we pick up one another. In our faith journey, you don't just walk alone, but we walk with your brothers and sisters who are on the same journey with you. That the Holy Father came up with this theme, for me, it's just a wake-up call for all of us that we are not as individuals on the journey, but you are walking with other believers, with our brothers and sisters on this journey. The three important elements, first of all, it's allowing ourselves as a church to be captured by the Holy Spirit, that we allow the Spirit to work within us, to guide us. And the second one would be to listen to one another. We listen to the Spirit, we listen to one another. What is another person saying? Sharing our life as a community of faith, our worries, our joys, our expectations on the journey when we share. So it's very important that we listen to one another because every person has something to say. And thirdly, is that we walk together. We have listened to the Spirit. We have listened to one another. So we carry one another on the journey because each person has dignity and we have to walk together in that dignity of each person. For us as a church in Africa, there is a lot that we can contribute. Even if there are elements that have crept in that spirit of walking together, but in reality, the fact remains, we are a synodality people. We are a community people. En termes simples, la synodalité est un voyage que l'Église commence sous la conduite de l'Esprit-Saint avec tous les fidèles et tous les ministères. Et durant cet itinéraire, elle nous invite à l'écoute mutuelle, au dialogue et au discernement commun. C'est dans ce sens que nous devons comprendre et inclure les trois mots-clés de cette synodalité: communion, participation et mission. Et j'ajouterai responsabilité partagée. La synodalité est importante dans l'Église aujourd'hui, d'abord parce qu'elle exprime sa nature, sa forme, son style et sa mission. Et c'est aussi parce qu'il s'agit de l'événement le plus important de la phase actuelle de réception du Concile Vatican II sous le pontificat du pape François. Elle permet de relever trois défis. Le premier, c'est le défi identitaire, surtout en Afrique. Qui est chrétien aujourd'hui? Pourquoi? Comment? Et où? Il y a 50 ans, la réponse était peut-être simple. Le défi de la rencontre de l'autre, c'est le deuxième. Et le défi de donner au monde un message approprié et des actions adaptées au contexte fluctuant de crise contemporaine. Entamer ce voyage en nous mettant à l'écoute de l'Esprit-Saint, en nous écoutant mutuellement dans un dialogue ouvert. C'est le dialogue du salut et cela, la communion, cela nécessite le marcher ensemble, impliquant tout le peuple de Dieu pour une mission commune avec créativité et authenticité.
c'est la participation. Et pour ce faire, nous devons nous convertir pour un discernement communautaire de nos lieux de mission. Certains ont déjà précisé la richesse de l'expérience de l'Église en Afrique en tant qu'Église famille de Dieu en Afrique. Je crois que la jeunesse de l'Église en Afrique sera une contribution décisive. Et qui dit jeunesse, dit créativité, enthousiasme, dynamisme. Il y a aussi la richesse et la diversité culturelle qui est un atout dans la vie de l'Église en Afrique. À ce niveau, il nous faut s'interroger sur ce que ces cultures peuvent apporter dans cette marche commune avec l'Église universelle. As a young African Catholic, synodality means an opportunity to engage the structures of the church in a different way, one that takes into consideration laypersons and takes into consideration young people as well. At a local level, it means being able to journey together in meaningful ways, ways that change the way we interact with the church, but also makes it a lot easier to be able to make the space one that works for all that are in it. I think as a practical way of engaging in synodality, young people should participate in youth discussions that the church holds, particular projects that the church engages in, bringing their own projects into the space as well. My message to young people is you cannot be heard if you do not speak. Therefore, you must engage the church in order for the church to be representative of you. En tant que jeune Africain catholique, aujourd'hui pour moi la synodalité est un peu comme une pyramide renversée. C'est-à-dire, nous repensons notre façon d'interagir, de dialoguer avec nos différentes structures religieuses. Dans ma communauté locale, ce cheminement n'est pas encore effectif. Il manque encore des mécanismes pour rendre cela beaucoup plus inclusif, en considérant que chaque être humain, chaque chrétien, a quelque chose de particulier à apporter. De façon pratique, nous pouvons faire cela déjà en commençant par nos différentes organisations établies, c'est-à-dire les pastorales des jeunes, les groupes et mouvements, les CEV, etc. Et peut-être organiser encore des sessions de formation et d'information pour rendre cela beaucoup plus effectif. Mon message à tous les jeunes aujourd'hui est de s'impliquer dans les affaires de l'Église, de faire élever nos voix ensemble pour que nous puissions tous apporter notre contribution, notre pierre à la construction de ce grand édifice qu'est notre Église.